Bonjour, une marche gourmande pour la bonne cause. Depuis 2 ans maintenant, l'association Force Espoir et Don organise une randonnée gourmande sur les chemins de Marsac-sur-Don, appelée les papis en balade. Le principe est original, les randonneurs prennent leur déjeuner au fil des étapes de la balade, 10 km pour passer de l'apéro au café, et les bénéfices de cette journée seront versés au Téléthon. L'année dernière, on a déjà organisé la marche gourmande, c'était plus pour mettre un petit peu, avoir un fond de caisse, parce que comme l'association démarrait. Et par contre, cette année, notre deuxième marche gourmande, le bénéfice, une grosse partie du bénéfice ira au Téléthon. D'accord. C'était déjà organisé à Couffé. Et donc, comme on a trouvé l'idée bonne, on l'a adapté. Puis donc, c'est un circuit d'une dizaine de kilomètres à peu près. Les gens font par exemple 2 kilomètres. Ils ont le droit à prendre l'apéritif, ils ont le droit, donc ils payent pour ça. Et donc ils refont 2-3 km après, donc c'est les entrées. Hein. Et donc comme ça, et puis après ils ont un plat chaud. Bon, cette année c'est du bœuf au cidre. Hein. Donc oui, c'est... Fromage. Et donc après, l'étape d'après, c'est même le fromage. On marche, hein, fromage. Même punition, on marche. Voilà, et le retour après... Le retour, et puis donc ici, à l'arrivée, donc il y a le dessert et le café. Et un accordéoniste qui nous... Cette année, oui, on va avoir une petite animation. Hein, voilà, et c'est le... D'ailleurs, c'est un membre de l'association en plus. Donc, voilà. Les gens, une fois leur inscription faite, on leur donne un petit papier qu'ils se mettent autour du cou ou dans la poche. Et donc, selon les stands, donc on coche... Bon, il y a les six arrêts différents. Et donc, c'est coché au fur et à mesure, et puis voilà. Oui, l'idée plaît c'est beaucoup, original, c'est original, et puis et c'est vrai que... C'est joli, la promenade est jolie. Et notre grosse récompense, si on peut dire, c'est de voir les gens satisfaits à l'arrivée. On va repartir, certainement. Et cette année, 250 personnes ont participé à la balade gourmande. 1 200 euros ont ainsi été reversés au Téléthon.